La chaîne, c'est qu'il y a un fan de poids. Hein. Et salut les amis. Et voilà, on se retrouve. J'ai réussi enfin à me désincarcérer du lit pour faire une petite sortie. Sortie de Noël du Cro-Roi Team. Faire une petite sortie, un petit repas. C'est, je pense que c'est ça qui m'a motivé. Ce sera malheureusement, je pense, la dernière de l'année parce qu'après il y a les fêtes. Et puis on va essayer de reprendre assidûment en janvier. Allez, ça part de là. Et voilà, ça fait du bien de revoir un petit peu les copains. Et là, ben, on va bientôt y aller. Bon, après un petit mois, là, ça y est, on est enfin dans les petits sentiers, là. Avec la réparation du vélo et tout. Je dois être, sur cette année, à une cadence d'une sortie tous les deux mois, quand on s'en déconne, c'est lamentable. Bon, inutile de vous dire que je repars de rien, là. Donc ça va être compliqué. Bon, c'est sorti. C'est la première, c'est la dernière de l'année. J'ai eu beaucoup de fatigue en ce moment là, avec le travail et tout ça. Donc normalement, j'espère que début janvier, ça ira un petit peu mieux. Et on va reprendre assidûment les sorties. Puis refaire le niveau tranquillement. Bon, les copains, ils sont partis déjà très loin devant. Je sais que je les suivrai pas aujourd'hui. Je sais même pas si je bouclerai la sortie, mais en attendant, ça fait du bien de reprendre et puis de discuter avec vous un petit peu en vidéo. Je remercie ceux qui ont pris mes nouvelles en off. Enfin, tout va bien. Physiquement, à part avoir pris beaucoup de poids, ça va. Moralement, ça va aussi. Voilà, que du bon pour ce 2023. Allez, on continue. Il va y avoir la première montée là. Je la redoute. Allez, on y est. Dans la première montée. Je vous ai pas menti. Oh, ça glisse, c'est mort. Ah, je me suis tué. J'ai cogné le genou. Eh ben, loupé. Ça glisse trop. Eh ben, premier échec. Ah putain. Ça va être long. Allez, on est reparti sur le vélo. On a fait juste quelques mètres à pied, mais c'est vachement glissant. C'est dur. Alors quand t'as pas le physique et en plus, c'est glissant. Ben voilà. Catastrophe. Je souffle comme un bœuf. Ouais, je suis gros comme un bœuf aussi en même temps. Allez, je continue tranquillement. On a rejoint les copains. Pour l'instant, ils ont pitié de moi. Ils m'ont attendu une intersection. Ça va pas durer, ils vont m'abandonner. Ça, c'est sûr. Bon, d'habitude, on n'abandonne pas, les nouveaux. Voilà. Allez, première descente. Oh, putain, moi, je sais plus comment on fait. Allez, tout en arrière. Oh putain! Ça glisse sa mère! Oh tiens, des cons! C'est pas gagné, les enfants! Une reprise! Partant comme ça là-dedans, Inch'Allah! Comme dirait l'autre! Les racines! Eh, vous savez ce que c'est? C'est tourne patinoire, il faut arriver à garder de la vitesse. J'ai peur parce que ça, j'ai plus l'habitude, donc il faut arriver à se lâcher. Ah, c'est catastrophique, les enfants. Bien prendre les racines droites. Ouh. Je me fais dessus là. On essaye de tout bien prendre droit. Ça sent déjà la plaquette. Paye mon maître.
ça glissouille pas quoi, c'est carnage. À gauche, à gauche ou tout droit? On tourne ou on va tout droit là? À gauche. Oh quoi? Je me suis cagué dessus les enfants. Et les pas enfants. Hein. C'est là que tu vois que même en descente, bon, allez, je vais pas dire que j'avais un gros niveau, mais tu perds, tu reprends vraiment tout à zéro. Je suis pas à l'aise. Mais bon, ça c'est fait. Non, sans mal. Ah! Voilà, oh là, ça parle pression des pneus, je pense, pour essayer d'expliquer pourquoi ils n'arrivaient pas à aller à droite ou à gauche. Non, non, c'est juste que ça glissait et que vous vous caguez dessus. Voilà, c'est à dire, n'est pas de la pression des pneus. Voilà, ça, c'est l'explication, la vraie. Ouais, on a toujours l'explication technique. Pas fini, il y en a encore un petit peu, je crois. Putain, ça glisse. Quand ça fait longtemps que t'as pas fait de vélo et que tu reprends là-dessus, carnage. Et j'imagine vous dans le nord comment ça doit être. Ah. Allez, on essaie de garder de la vitesse. De vitesse. Mais pas de précipitation. Essaye de rester souple sur le vélo aussi. Allez, c'est bon. Première descente validée. Allez, l'objectif, c'est tout là-haut. Oh là là, j'en ai déjà mal aux jambes. Enfin, là, j'ai mal aux jambes sans avoir commencé. Bon, les copains, ils sont là-bas. Pour l'instant, ils sont patients. Ils m'attendent 5 minutes. Bon poids. On s'accroche. Allez, fini la tranquillité. C'est partir en direction du fort de. Putain, je me rappelle plus. Gabarès. Donc là maintenant, bah, on monte jusqu'à. Enfin, du moins, on va essayer de monter jusqu'à là-haut, quoi. Ouh, ça va être chaud là aussi, celle-là. Elle est pas technique, mais elle est longue et dure. Et je fais aucune allusion à autre chose. Hein. Ouais, au passage, je vais essayer de vous montrer la mer. Les jolis points de vue qu'on peut avoir tout au long. Et oui, c'est bien de ça que je vous parlais. C'est dur, mais... Ah, je tombe. Il y a un joli décor. Un sacré décor. Et voilà, c'est fait. Pas fier de moi, là. Enfin, un peu fier de moi, pardon, de l'avoir tout fait sur le vélo. Ça fait du bien. Je sais même plus ce que je dis, je commence à plus être lucide, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Ouh, mais pas de pied à terre, ça fait du bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et comme je vous avais dit, la vue, elle est là. Les copains, qui, ça doit faire un quart d'heure qu'ils sont là. Et la mer derrière. C'est pas beau tout ça, les amis? Allez, ça monte toujours en direction là. La poudrière. On s'accroche. Après, il y a une petite descente que m'a vu dans mon état là. Je redoute un peu. On verra bien. Mais à mon avis, ça va coincer. Ça évite de prendre ses branches bien. Allez, en haut de la poudrière, toujours fait sur le vélo, super content. Bon, finalement. On va prendre une nouvelle descente, donc bah, croisez les doigts. Petit point de vue avant d'attaquer. Putain, je me sens. Ça va pas le faire. Je suis trop en arrière sur le vélo. C'est. Allez, reste devant pour gagner un petit peu quand même.
Mon truc, tu passeras pas dehors. Il m'a dit. Quand on a fait, quand j'ai fait les courses cet été, il m'a dit, il faut quand même rester en avant pour justement charger. Pas trop se mettre en arrière, sinon c'est là que tu délestes tout. Mais c'est pas évident. Oh quoi. Ouais, c'est passé. Oh, joli. Bien mort. Ça prenne Jean-Louis. Ça prend. Ça prenne. Je vais pas sûr. Passe bien à droite et ça passe. Ça passe? Ouais, bien à droite. Ouh, eh ben pour une reprise, ils m'ont gâté les bâtards. Bien à l'extérieur et tu rentres. Tout en chargeant un peu l'avant. Bon, ok. J'ai de la raison, hein. Si tu te cagnes pas dessus à te mettre en avant, tu passes pas par-dessus. Ouais. Ah, c'est déconné de passer par là, je trouve. Mais bon. Voilà. Par contre, j'ai mal pris. Je m'y suis mal pris. C'est raide, raide, raide. Ah, c'était violent quand même. Hein. Ouais. Par contre, la dernière là avec les deux les rochers au milieu. Ouais. Oh putain, c'était tendu la première quand même. Tout fait en fait, on arrivait à se lâcher, tu vois. C'est. Mais. Dur, dur pour une reprise. Mais je suis content. Ah ouais, mais putain, c'est la fin de l'autre là qui est dégueulasse aussi. Ils sont fous. Ah ouais, je vois où on va arriver. Ah, en plein, plus elle est trempée. Bon, ben, tranquille, hein. On va pas se tuer à la reprise. Ça serait con. Je me cague déjà dessus. Oh, allez. Ah, vous êtes des mâles ? Ah, c'est pas possible. Ah, vous êtes des grands malades. Un peu de remontée à pied. Mais là, c'est indépendant de ma volonté. Oh là, cette descente, chaud de patate. Mais je suis étonné de ne pas avoir bloqué psychologiquement. Là. Et d'avoir réussi à tout descendre. C'est bizarre, bizarre. Allez, ça repédalouille tranquillement. Là, je sais plus trop où on est en fait. J'espère qu'il n'y aura plus trop de grosses montées avant de rentrer. Mais bon, si on en a, on les fera. En serrant les dents, tranquillement. Ah ben ils ont décidé
et de ne pas nous épargner sur la dernière sortie. Ah, c'était une sortie cool. Ça fait longtemps que je suis plus venu, ils ont peut-être changé le degré des sorties. Alors qu'est-ce que ça va être quand ça va être des sorties engagées? Ça, il n'y a pas bon. Trop en travers, mouillé, il n'y a pas bon. À droite. Eh ouais, c'est pour ça que je t'ai. Ouh. Youh. J'arrive pas à remettre mes pieds. Ah bah elle était pas si mal que ça. Oh oh oh. Et pas. Petite arrivée sur la mer. Elle est là, elle descend dedans. Là. Ah, une petite descente, là je sais pas, ça paraît technique. Attends, on a... Oh putain, y'a la preuve. Bon, bah ça va. Ah, les petits pédalages tranquilles sur le port de Kerkeran pour se remettre. Ça va pas trop mal. Koumchich koumchach. Et puis après je pense qu'on va attaquer et encore de la montée. Bon ben normalement dernière montée par la route. Ça va faire du bien parce que au moins ça va être un petit peu plus constant, mais là ça y est. Les batteries sont HS, j'ai le dos. Voilà. Mes hernies discales là, ça fait comme ça fait longtemps que j'ai plus rien fait, mais forcément. Ça tire là, je commence à me faire très très mal. Et les cuisses aussi, ça fait longtemps que je les avais oubliées, ça là aussi elles sont, je crois qu'elles sont au bout du rouleau. Donc voilà, on va y aller tranquillou et puis on se retrouve un petit peu plus loin si j'ai pas décédé. Bon, ils sont tous revenus me chercher là depuis tout à l'heure, ils font les allers-retours, ils me motivent, là j'ai craqué complet, là j'ai plus rien dans les jambes. Le dos il me tire à gogo, j'ai plus rien dans les jambes, mais bon, c'est presque la fin. Les copains ils motivent aussi, donc je serre les dents, ça va pas vite, mais on va arriver au bout et finir cette belle première petite sortie là. Ouf, ouf, ouf. Oh putain, j'arrive même plus à me tenir droit sur les jambes pour descendre. Heureusement que là c'est fini, il n'y a plus rien de dur. Et puis j'ai envie de vous dire, on se retrouve à l'arrivée pour le petit apéro qui de Noël qui va bien. Le petit repas des guerriers comme on les appelle. Et voilà, on est arrivé. Ça commence à se mettre en place. Les rois du BBQ. Des BBQ, ils sont là. Ouais, il est pas là. Là, il est là, le BBQ man. Non, c'est pas moi. Et puis voilà, on va fêter dignement cette fin d'année 2022 avec les copains. Bon, ben. Belle petite reprise, belle petite sortie. Enfin, en ce moment, de toute façon, c'est que des sorties reprises. Hein, donc, ne vous étonnez pas si je dis sorties reprises. On a bien morflé.
J'étais cuit dans la dernière, là, ça y est, j'ai tout lâché, mais m'ont motivé, on a réussi à y aller, et puis de savoir qu'il y avait le graton après, ben, ça motive. Hein. Donc voilà, j'espère que vous allez bien de votre côté. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, parce qu'à mon avis, on ne se reverra pas d'ici là, et puis l'année prochaine, je vous promets qu'on reprend assidûment. Allez, bonne fête à tous. Ciao tout le monde.